Nicolas Quétal, donc je vais vous faire une vidéo pour vous dire 5 choses que j'aime bien dans la vie. Donc juste avant ça, je tenais juste à m'excuser pour la lumière qui est pas terrible, même si on a l'impression qu'il fait soleil tout de suite, je sais pas pourquoi, mais en gros il fait gris. Et d'un côté il y a un petit peu de luminosité là bizarrement, mais voilà, il fait gris et la lumière est pas terrible je trouve. Donc voilà sur ça. Après voilà, on est en hiver, il fait rarement soleil cette année. Déjà d'habitude l'hiver il fait rarement soleil, mais alors cette année il y a autant de soleil l'hiver que de victoire de Metz en championnat de Ligue 1. Donc voilà, c'est vraiment pas terrible. Il fait très rarement soleil cet hiver. Donc voilà, pour passer aux 5 choses que j'aime bien dans la vie. La première, ça va étonner personne, voilà, tout le monde le sait, tous ceux qui suivent mes vidéos le savent, tous ceux qui me connaissent le savent, c'est bien évidemment le sport et le football en particulier. Donc voilà, le sport en particulier. Pour les autres sports, bah, je vous laisse regarder la vidéo où j'explique les autres sports que j'aime bien à part le foot. Et pour le football, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne énormément. Et on peut dire que je vis vraiment au rythme du football et que c'est quelque chose que j'adore et que je suis énormément et que même quand je le suis pas, j'y pense un petit peu dans ma tête. Voilà, donc c'est vraiment. Dire que voilà, je vis au rythme du football et voilà, et c'est vraiment quelque chose qui me passionne et voilà, c'est vraiment quelque chose que je suis à fond dedans et que je prends en plus très au sérieux. Et en plus, c'est un sport où je suis rarement neutre. Voilà, je supporte l'OM, le Real de Madrid et Benfica, mais ça m'empêche pas dans d'autres matchs de pas être neutre quand même. Par exemple, ce soir en Ligue des Champions, voilà, je supporterai Séville contre Manchester United, et sur le deuxième match, je supporterai la Roma. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous êtes pas et vous supportez un club ce soir. Voilà sur ça. Ensuite, la deuxième chose que j'aime bien dans la vie, c'est être dans mon lit. Alors désolé pour les gens qui ont l'esprit tordu, mais globalement je parle d'être dans mon lit et de rien d'autre. Voilà, dans son lit c'est pas mal, tu peux tout faire dessus, tu peux dormir, tu peux te reposer. Même quand j'arrive pas à dormir, ça ne me dérange pas vu que je suis au chaud et que je suis un petit peu tranquille et que voilà, t'es quand même tranquille, même si t'arrives pas à dormir, tu te reposes et c'est plutôt pas mal. Même si je suis pas un gros dormeur, je suis pas un petit dormeur non plus, je suis un dormeur moyen, on va dire. Voilà, dans son lit, je trouve ça très bien, tu peux tout faire dessus, tu peux boire, tu peux regarder la télé, tu peux jouer aux jeux vidéo si tu veux, tu peux lire un livre. Tu peux regarder mes vidéos ou tu peux faire plein de choses d'autres, donc c'est vraiment très bien d'être sur son lit. Donc moi j'aime bien ça, et puis voilà, ça peut paraître flemmard, mais c'est pas grave. Je m'en fous pour le coup. Voilà, donc la troisième chose que j'aime bien, c'est boire. Donc on va se calmer, je parle pas d'alcool. Voilà, boire en général, j'aime bien boire honnêtement, que ça soit de l'eau, de la bière ou du soda. Voilà, globalement, j'aime bien boire. Je bois beaucoup, je prends plus de plaisir à boire qu'à manger. Et puis voilà, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Même si tu bois parce que t'es obligé pour vivre, ben moi je le fais avec grand plaisir et j'adore boire honnêtement. Voilà, j'aime bien boire vraiment de tout. Boire, c'était le troisième chose que j'aime bien faire. Ensuite, le quatrième, c'est écouter de la musique. Et en particulier du reggaeton, qui est un style de musique d'Amérique latine, on va dire, on va pas dire Amérique du Sud vu que ça monte plus haut. Voilà, d'Amérique latine, donc c'est un style ouais, c'est un style espagnol, voilà, où c'est plutôt rythmé, on va dire. J'aime bien ce style de musique là. Voilà, après j'aime bien aussi les musiques brésiliennes, donc c'est vraiment toute l'Amérique latine. J'aime bien aussi, voilà, surtout le reggaeton, qui est un style que j'aime bien. Ensuite, j'aime aussi bien la musique espagnole en elle-même, ça peut m'arriver d'aimer une musique ou deux. J'aime bien aussi la musique française, ça peut m'arriver d'en écouter aussi, ça dépend qui c'est, et ça dépend des paroles, et ça dépend de la musique en elle-même, ça dépend de beaucoup de choses en fait quand c'est de la musique française. Mais globalement, ça peut m'arriver d'écouter, il y a des musiques françaises que j'aime vraiment bien, il y a des musiques portugaises que j'aime vraiment bien, italiennes, il y en a que j'aime bien. Et même anglaise, il y en a que j'aime bien, même s'il n'y en a pas beaucoup, et que celles que j'aime bien, je les écouterai pas 100 fois de suite, une fois, une limite une fois par semaine, ça me va très bien, vu que déjà je comprends pas un mot. Voilà, mais ça peut m'arriver aussi d'écouter de la musique anglaise, forcément, vu qu'elle passe à la radio H24. Voilà, j'aime bien la musique, et en particulier le reggaeton, mais après,
Après, ça peut m'arriver d'écouter d'autres musiques, notamment de la musique française ou portugaise. Et je vais citer un chanteur qui chante les deux, comme ça va plus vite. David Carreira, je sais pas si vous connaissez, il n'a pas percé énormément en France, enfin pas autant qu'il espérait, je pense. Et c'est un chanteur que j'aime vraiment bien, qui a chanté une chanson où je me reconnais vraiment dans les paroles, où limite j'ai l'impression que les paroles sont faites pour moi. Pourtant, il a chanté il y a 4 ans, et ça fait 4 ans que je pense toujours la même chose. Le titre de la chanson, c'est Rien à envier aux autres. Vous pouvez aller voir si vous voulez sur YouTube, et c'est vraiment une chanson où je me reconnais sur les paroles, je précise sur les paroles et pas sur le clip en lui-même, que le clip il fait voir des choses où j'ai jamais vécu personnellement, mais les paroles en tout cas je me sens visé par ces paroles et c'est une chanson qui me plaît énormément. C'est un chanteur que j'aime bien aussi, donc il n'y a pas que le reggaeton, mais j'aime bien la musique en général, mais surtout le reggaeton. Et vous pouvez aller voir le reggaeton ou le chanteur que je vous ai cité, le titre c'est Rien à envier aux autres et le nom du chanteur c'est David Carreira et ça s'écrit comme ça se prononce. Donc voilà pour la musique, n'hésitez pas à mettre votre style de musique si vous voulez en commentaire. Donc la cinquième chose que j'aime bien, honnêtement, même si j'ai pas souvent l'occasion de le faire, c'est voyager. Donc honnêtement, j'aimerais bien connaître un petit peu plus la France, on va dire, même si je la connais assez bien. J'aimerais bien connaître un petit peu plus l'Espagne, notamment Madrid, où j'aimerais bien y aller, notamment au stade Santiago Bernabéu, et visiter la ville en elle-même aussi. J'aimerais bien aussi aller à Malaga, qui est une très belle ville, Valence, etc. Donc voilà, il y a beaucoup d'endroits que j'aimerais bien visiter en Espagne. Au Portugal, j'aimerais bien visiter, on va dire, j'aimerais bien visiter un petit peu le sud, on va dire, du Portugal, l'Algarve, pourquoi pas. Et puis retourner à Lisbonne, qui est une magnifique ville aussi que j'aimerais bien le faire, mais ça je pense qu'il y a moyen de le faire. J'aimerais bien aussi retourner en Italie, même si j'y suis déjà allé une fois en voyage scolaire. J'avais été à Venise, mais j'aimerais bien visiter des villes comme Rome ou Milan, pourquoi pas. Donc voilà, j'aimerais bien y aller aussi. Puis pourquoi pas aller, voilà, l'Amérique du Sud aussi me plairait bien, surtout l'Argentine, où ils vivent bien, ils vivent un petit peu au rythme du football et j'aimerais bien voir comment ça se passe là-bas, même s'il n'y a pas que le football qui m'intéresse en Argentine, mais c'est un pays que j'aimerais bien visiter et qui a l'air. Je sais pas, il y a beaucoup de choses qui me plaisent là-bas et j'ai un pays qui me plairait d'aller le visiter. Donc voilà comme ça, voilà pour ça. Et pour pas que citer des pays latinos, je vais quand même dire un pays pas latino. Le Pays-Bas et Amsterdam que j'aimerais bien visiter. Je parle pas de drogue, c'est pas la peine de s'emballer dans les commentaires, ça m'intéresse pas. Mais ça a l'air d'être une très belle ville et voilà, je pense que ça doit être sympa d'aller dans cette ville et aussi une ville dans un autre pays, Bruxelles aussi que j'aimerais bien aller, qui a l'air d'être pas mal. Voilà, et pas que pour les frites. Mais pour la bière aussi, non, je plaisante, mais ça a l'air d'être une ville pas mal, Bruxelles. Donc voilà, voyager c'est quelque chose qui me plaît aussi. Donc voilà pour les 5 choses qui me plaisent dans la vie, n'hésitez pas, enfin il y en a plus que 5, mais voilà, là j'en ai cité 5. Donc n'hésitez pas à mettre vous aussi dans les commentaires qu'est-ce qui vous plaît dans la vie. Voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime. Et en parler autour de vous, moi je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie de m'avoir suivi.